Bonsoir. Enfin, bonjour plutôt. Putain, il n'est que 17h. Bonjour les crozes. Est-ce que vous m'entendez? Le chat, à partir de 17, c'est bonsoir qu'on dit. Ah! Putain, j'ai toujours cru que c'était. On m'a toujours dit que c'était à partir de 18h, moi. On m'a toujours dit que c'est à 18h, Toshi, que tu dis bonsoir. Bon, du coup, petit live YouTube. Petit live sur YouTube. Je crois que ça fait genre. ça doit faire 4 mois que j'en ai pas fait. Du coup, ça y est, le retour. Bon, j'ai la fibre, hein. Donc, ce live est en HD. Je t'adore, t'es un de mes youtubeurs. Merci, Savannah. Bonsoir, Cortec. Bonsoir, tout le monde. Alors, ce soir, live très spécial. Putain, pourquoi je dis ce soir? Eh, mais c'est les habitudes, ça. Ça reste dans la tête. Hein. C'est... Tu vois? Je suis programmé à dire bonsoir et ce soir. Ouais, du coup, c'est le nouveau Pinview Drive. J'étais même pas au courant. C'est... Je sais plus qui. Bastien, je crois. C'est Bastien qui me l'a dit sur Twitter. Et... Il m'a dit, Toshi, regarde... Il y a un nouveau Pinview Drive qui est sorti. J'ai fait non. Mais non. Et bah si. Le voilà. Il est là. Pinview Drive Homeless. Nouveau Pinview Drive. Et l'histoire est géniale. Enfin, le synopsis du jeu est vraiment cool. Et ça me donne vraiment envie de le faire. Du coup, il y aura une rediffusion sur YouTube de cette vidéo. Enfin, de ce live. Il y aura une petite rediffusion. Et puis, voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Oui, bah l'histoire du coup. On incarne. Un mec de l'armée, tu vois, un espèce de soldat, qui passe, tu vois, il passe juste sur la côte de Pinview Drive, tu vois. Pas dans Pinview Drive, mais il passe juste à côté. Et là, bim, un orage. Le mec se dit, merde, j'ai pas pris mon parapluie. Donc là, il se dit, putain, il faut que je trouve une maison, tu vois, il faut que je m'abrite. Et c'est en longeant la côte qui va à Pinview Drive et qui retombe donc sur la maison du jeu Pinview Drive, la maison hantée. Et du coup, le mec, il dit, putain, vous allez pas me croire, mais tout ce que je dis est vrai, j'ai vécu des choses totalement horribles dans cette maison, moi qui croyais pas au paranormal, bah au final, il s'est passé plein de trucs, et du coup, on va incarner ce mec qui rentre dans la maison pour la première fois, et que voilà, il va se passer sûrement des choses. Si je ne suis pas bloqué, hein, parce que, attention. Hein. Toshi et Pinview Drive, une grande histoire d'amour, bah oui, c'est... Carrément. Toshi, comment ça va? Bah ça va très bien. Ça va plutôt très bien. Vous m'entendez bien, là? Comparé à la musique, ça va? Le son du jeu n'est pas trop fort. Ah, bisous à la Minicro, du coup. J'espère qu'elle va bien. Salut, Maud. Ouais, Toshi sur Pinview Drive, putain. Salut, Idriss. Je dois souper. Et bah, bon soupage. Ah, la petite musique, tiens. C'est la nouvelle musique de Pinview Drive, du coup. Enfin, du nouveau Pinview Drive. Du coup, je crois que c'est le même développeur. Oh, regardez au fond, là. La dame blanche. Bon, allez, on y va. Nouvelle partie. Allez, c'est parti. Donc sous-titre français, on va essayer de se mettre à fond dans l'ambiance. C'est parti les crozes, je suis content là. Allez, c'est parti. Enchanté, Sika. Bienvenue. Tu m'étonnes. Et tu m'étonnes. Ah là, c'est ce que je vous disais.
Oh, on y est. Ah putain, alors là ça va être le live de la nostalgie. Là je vais être nostalgique, je vous le dis, parce qu'on va se refaire toutes les pièces, tout le manoir du premier jeu en fait. Oh là là! Ok. Il est 22h, 10h avant le lever du soleil. Bienvenue dans le jeu Pinview Drive Homeless. Ok. Oh là là. Let's hope this house is really abandoned and that there's a way inside of it. Oh là 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 là. Allez, on y rentre, c'est parti. Ah putain. L'épouvantail, les creuses. L'épouvantail. Ah, c'est exactement la maison du premier. Ouais. Avec la fontaine. Et l'entrée qui se trouve là. Alors, est-ce qu'il va falloir une clé? Non, il faut pas de clé. Hello! Everything is quiet here. Sure be nice to find a place to sleep. Donc, comme d'hab, on a la batterie en haut à droite de l'écran. Donc, notre batterie de lampe. Oh, ça fait bizarre! Alors, du coup, pour la petite histoire, c'est après le premier. Donc, c'est après l'histoire de famille hantée là. Nous, on est juste paumés en fait. On arrive là, mais on sait même pas ce que c'est cet endroit, tu vois. Ah, ils ont pas mis l'électricité, ces bâtards. Ok. Bon, tout est fermé ici. Ok. Ça fait très bizarre. Hein. Oh. Oh là là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Pinview Drive, c'est un jeu d'horreur. Bon, vous l'aurez remarqué, hein. Ah, c'est bizarre, tout a abandonné. En fait, tout est... Regardez, t'as les toiles d'araignée, t'as la saleté sur les murs. Il y avait pas ça avant. Avant, c'était clean de ouf, hein. Dans le premier, c'était clean de ouf, hein. Là, tout est sale, putain, ça renforce l'horreur, en fait. Ah, je me souviens de... Ah, ils l'ont enlevé, putain. Avant, ici, il y avait un... Il y avait un buste avec une tête vraiment flippante. Et ici, il y avait une porte aussi. Oh, ça a changé! Ah non, ça a changé, en fait. Oh putain, c'est ouvert ici. Trop de portes dans le jeu. Ouais, il y a énormément de portes dans Pinview. Ok. Bon, on va essayer de se pieuter, du coup. Et on verra bien ce qui va se passer. Revenir ici après tout ce temps, ouais. Clown plus épouvantail. Mais on va les croiser, hein. On va les croiser, hein. Peu de temps après. What was that? Oh! I better check what that was. Bon, je crois qu'on n'a pas dormi en fait. On n'a pas fermé l'œil. On n'a pas du tout fermé l'œil. Bon. Alors, par contre, petite précision. Je pense que ce jeu va être plus court que l'original parce que dans l'original il y a 30 heures. Enfin il y a 30 jours, tandis que là il y a 10 heures. Donc ça va aller super vite en fait. Ah ok, cette porte vient de s'ouvrir. Coucou. Bon, pas de clown. Il y a rien ici. Ça sent le premier jumpscare, hein. Préparez-vous. Rien que ces petits temps, je me font flipper, là. Ces petits trucs, là. Alors, est-ce que ça vient d'ici, du coup? Oh, putain, ouais. Attends, c'était pas ouvert, ici. Il y a des piles, là. I take the fucking pill. Une lettre. You shouldn't have come here, Miles. Now... Oh! Miles. No one knows that I'm here. Ok, donc il y a une lettre carrément posée sur la table qui nous dit ah, il y a une clé. Yes. Qui nous dit mec, t'es rentré dans le manoir. Maintenant, c'est fini. Tu vas y mourir. Ok, ça ouvre cette porte. La clé est cassée. Ok, voilà.
Voilà comment le perso du 1 a fini. Oh putain. Oh, ça j'aime pas ça. Oh ça j'aime pas ça. Oh ça j'aime pas. On peut pas allumer des bougies là? Ouais ici. On peut pas ça? Non. Une deuxième lettre. Salut Verde. Ok, très bien. Toshi, pas trop dur ton stage? Non, ça va. Oup, petite bougie. Ça va, le live est fluide? Dites-moi. Hein. J'espère que ça lag pas. Bon. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. On est toujours pas mort. On n'a pas encore eu peur. Juste des petites craintes avec ce genre de truc là, mais. Mais tout va bien. Il est horrible ce bébé, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, très bien. Putain. Je reconnais pas l'endroit, c'est fou. Ah si, putain, je reconnais ici. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Avec lui, là. Ah, si, je me souviens. Oh! Ah, faut les ramasser les crânes! Merde! Quoi? Attends, peu. Oh là, attends. Ah le bâtard, il a changé de posture. Il était pas comme ça tout à l'heure. Putain, à tous les coups dehors, il y a l'épouvantail qui est en train de nous regarder. C'est un fourbe lui. Hein. C'est un putain de fourbe. Hein. Ah putain, il a bougé lui. Attendez, on peut prendre des objets. Et on peut les bouger de place. D'accord. Le live c'est bon, ok. Attendez. Ok. Alors je sais... Oh putain, il vient de rebouger. Vous avez entendu le bruit de sa nuque? Il vient de rebouger, mais genre en temps réel. Je sais pas si vous l'avez vu. C'était furtif, il vient de bouger. Putain, je me casse. Ce truc est vivant. Ah putain. Voilà pourquoi j'ai aimé Pinview Drive. C'est pour ces trucs-là, putain. Faut allumer un maximum de bougies. Allez, on se casse. Bon, du coup, il faut ramasser des crânes. Alors, j'ai vu un crâne tout à l'heure. Je sais plus où il était. Est-ce qu'on peut prendre le bébé? Non, on peut pas prendre le bébé. Je sais plus où est le crâne, par contre. Ah, putain, il y a un orage dehors. C'est horrible, là. T'as toutes les conditions. Ah, mais elle est là, cette pute! C'est elle! Elle fait peur. Ok, je viens d'utiliser une batterie. Parce qu'on commençait à plus rien voir. Attendez, elle est où le, il est où le crâne? Il est où le crâne? Il est en haut, je crois. Je crois qu'il est en haut. Oh putain, le téléphone. Le téléphone sonne, sonne, sonne. Il y a tellement un truc là-dessous, c'est obligé, quoi. Pourquoi ils ont mis ça comme ça? Ok, alors attendez. Je pense que le crâne était pas loin là. C'était pas genre ici? Non, c'était pas là, c'était pas là. C'était à côté. Non, c'était pas là non plus. Alors c'était là. Mais merde, c'était où? Putain, je me perds déjà. Le clone! Ah le bâtard! C'est son... C'est sa trompette! Bon, le clown est là. Le clown est clairement là. Ah cool, putain. Ah, on a de la santé maintenant. Ah putain, on avait pas ça dans 1. Ok, on a de la vie. Ah mais attendez, si on a de la vie... Attends, si on a de la vie, c'est qu'on va se faire attaquer. C'est quoi ces conneries là? Depuis quand dans Pinview Drive on se fait attaquer? Attends. Si on a de la vie, c'est qu'on peut perdre de la vie. Attends, j'aime pas ça, moi. Ça me fait peur, là.
dirait que le jeu est plus évolué que... Ah, on a chopé un truc là. Je sais pas à quoi ça sert de faire ça. Quoi, vous avez vu des ombres dans les vitres? Arrêtez là. Arrêtez, y'a rien eu du tout là. Alors par contre, je suis en train de me demander si... I should take a closer look at the paintings on the walls. Ah! Mais attends, c'est pas le bon vase? Mais si, c'est le bon vase, attends, attends, attends. Je devrais plus regarder. Ah putain, le crâne! Attends, c'est où ça? Ah! Mais le crâne va là, d'accord, c'est bon, c'est débloqué. Putain, d'accord, en fait, l'énigme était sur les peintures. C'est bon, tout va bien. Là, le crâne. Le crâne, elle est là, en fait. Il va là. Ici. Voilà. Et du coup, le bol en verre, il va où, du coup? Attends. Attends, attends, faut que je check les peintures. S'il y a des peintures... Voilà, il est là. Ok, il va là. Ok, c'est bon. Oui, c'est des énigmes, mais c'est à nous de faire gaffe, en fait. C'est pas mal, hein. Voilà, le vase va là. Alors, attention. Ok, je viens d'entendre un bruit de porte. Bizarrement, j'ai pas ma santé à fond. Ma santé est pas à fond. C'est peut-être notre santé mentale. Attends, j'ai entendu un bruit de porte, là. J'ai entendu un truc, mais je sais pas quoi. Recueillir ces chiffres pour obtenir des réalisations supplémentaires, d'accord. Ça... Ah putain! Qui a dit ça? Le diable, merci diable. Putain, la clé était juste là. Sérieux. Bon, on s'est débloqué. Comme quoi, il faut vraiment ouvrir les yeux. Il faut vraiment ouvrir les yeux. Ok, on a une nouvelle clé. Allez, let's go. Ah, regardez, son faciès, il change. Ah, j'aime pas ça. Ah, ok. Ça déverrouille cette porte. Oh, le clown était là. Oh putain, attendez, on arrive au... On arrive au... Au clown. Le clown était derrière cette porte dans le 1. Attendez, j'ouvre. Oh putain, il est pas là. Ah, ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis. Il y a des piles ici. Ils l'ont pas mis. Alors attends. Attends, 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 attends. Parce que je me souviens très bien que le clown était assis sur ce truc là. Il était là. Dans le 1, il était assis ici. Il était juste là. Et là, il est pas là. Et tu sais, les clowns, c'est comme les araignées. Quand on les voit pas, c'est encore pire. Oh là là. Des piles. Je suis un radar à piles, moi. Alors, attends. Des allumettes. Hop. Ok, très bien. Fermé. Ok, on va retourner en arrière. On peut allumer la télé ou pas? Non, on peut pas. Ah, il est heureux. Bah oui que je suis heureux, attends. Ok. Dehors, tout se passe bien. It all started when the Harmsworth family bought the old estate back then. Salut Angélie. Qui va voir la Dame Blanche? Alors, il est sorti, je crois. J'irai peut-être le voir, tiens. J'irai peut-être le voir, la Dame Blanche. Très bien, bon. Ok. Oh! Quoi? Quel est ce bruit? Oh, le canard! Pourquoi il y a une musique comme ça? C'est quoi ça? C'est ce genre de musique que je connais pas du tout, par contre. Ah! Quoi? Il y a eu un truc, putain, j'ai pas vu. Je crois qu'il y a eu un truc à la fenêtre. Oh putain. C'est quoi ce... Quelle est cette mélodie du démon? Wow, 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 wow. Eh, par contre, on va se calmer, les gars. Moi, je reste là, je bouge pas, je m'en fous. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, ça me fait peur là. J'aime pas cette mélodie! C'est quoi cette mélodie? Il va se passer un truc. Mais creuse, j'ai peur.
Nécrose. It looks like something was sitting on the stool. Do I want to know what that was? Et c'est le clown! Mais c'est le putain de clown, mon gars! Casse-toi! Casse-toi! Casse-toi loin, il va arriver! Le clown va arriver! Le clown va arriver! Je veux sortir, ça y est, je commence à pas être bien. Allez, bâtard. Ah, je commence vraiment à pas être bien, là. Putain, il est où ce putain de clown? Montrez-le! Bande d'enfoirés! Mais moi, je reste pas dans une maison comme ça, en fait. Moi, je pars, en fait. Même avec des potes, j'y resterai pas. Même avec des potes. Est-ce qu'on peut dormir? J'aimerais dormir. Regardez sous le lit. Regardez sous le lit. Ce serait pas un bras de clown? Ce serait pas un bras de clown? Ah putain. Ah, ah non, mais non. Attends, putain. Il y avait pas ce bras tout à l'heure, j'en suis sûr, je l'aurais vu. Je l'aurais vu. Ah, on n'arrive pas à voir ce qu'il y a en dessous, en fait. On voit juste le bras, ça me stresse. Ah putain, il n'y avait pas ce bras, j'en suis certain. J'en suis certain. Je l'aurais vu. C'est le bras du clown, on est d'accord. Hein. On est d'accord, les creuses. Putain, je me casse. Il n'y a rien à faire, de toute façon, ici. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, laisse tomber. Putain, il est là. Il est là, ce con. On voit pas sa tête. Oh là 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 là. Non, c'est bon, il s'est rien passé. Mais c'est ça, en fait. Le pouvoir de Pinview Drive, c'est vraiment... Attendez, on va l'appeler. On l'appelle. L'appel du clown. Le pouvoir de Pinview Drive, c'est qu'il se passe... En fait, des fois, t'as tellement l'impression que ça va te sauter dessus. Et en fait, non. Et t'es dans la peur constante. C'est constant. C'est une peur constante, en fait. Ça s'arrête jamais. Bon, j'ai fait du pouette-pouette. On va voir s'il a bougé. Ça me stresse qu'il est là. Ouais, il est toujours là. Putain... Ah, faut que je regarde dans les coins, c'est ça? Tu m'as dit de regarder dans les coins. Oh! Mais non! Mais c'est le corps du clown! Le clown a été déchiqueté? Attends, 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 attends. Attends une minute. Attends, sérieusement? Sérieusement? Attends, 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 attends. On a chopé le corps du clown. Il manque la tête. Oui, il manque la tête. C'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé la tête. Donc en fait, là, le but, je pense, ça va être de chercher les morceaux de clown. Ce qui est une très mauvaise idée en soi, parce que si nous cherchons les morceaux de clown, c'est bien pour le recoller ou pour y mettre le feu. J'espère que c'est pour y mettre... Ah ! Faut que j'arrête ce genre de jeu, putain. C'est vrai que ma santé mentale, elle a pris un coup avec ces conneries. Je suis plus le même qu'avant, hein. À faire des jeux d'horreur. Bon, il est où son putain de bras, là? Sa putain de tête. Pose le corps d'abord. Ah, faut que je pose le corps, mais je le pose où, le corps? Je dois le poser où, le corps? Sur le lit? Non. Dis-moi, diable. Putain, j'arrête pas de recharger mes piles pour rien, je suis trop con. Où est-ce que je dois poser le corps? Sur son fauteuil, dans la chaise. Ah, mais je suis con, putain! Mais vous êtes carrément plus intelligent que moi, c'est chaud. En vrai, je suis très con. Hein. Bien sûr, putain, sur le tabouret, mais bien sûr. Mais bien sûr! Mais quel abruti! Oh là là.
Ils jouent avec nos nerfs. Ils jouent avec nos nerfs. Bon allez, maintenant on va chercher le bras. Ouais, mais non, mais c'est moi qui suis con. Oh putain, ça y est. Oh, on a réussi à prendre le bras. Ok. On a réussi à prendre le bras. On va aller le mettre. Le jeu, c'est Pin View Drive Homeless, ça. Je vais te le torcher, ce jeu, tu vas rien comprendre. Ok, il manque la tête, putain. Elle est où la tête? Elle est où la tête? Elle est où la tête? Il est où le cucu? Elle est où la tête? Bon. Ah, elle est là! Putain, elle est là! Elle est là, cette putain de tête! Bon, alors là. Là, c'est le moment. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai vraiment pas envie de le faire, en fait. J'ai vraiment pas envie. Je suis dans l'impasse. Ça me fait chier. Je bois une goutte d'eau, vous me dites ce qu'on fait. De toute façon, on n'a pas trop le choix si on veut avancer dans le jeu. Vous êtes prêts? C'est le genre de connerie. Ça, c'est le genre de connerie qui va nous retomber sur la gueule dans très peu de temps. Pourquoi on a fait ça? Quel est l'intérêt? Le mec vient juste pour dormir. Il vient juste pour dormir. Et non, il faut qu'il graphise seul un clown. Bon, on va essayer de retourner pioncer, ça va être très compliqué par contre. Parce que moi, je fais ça, je dors plus. Hein. Comment on peut dormir dans ce genre d'endroit? Alors, on peut toujours pas dormir. En fait, je crois qu'il faut pas dormir. Le but, c'est pas de dormir dans le jeu. C'est de souffrir. Ah, y'a le poète. Putain, bien joué les crows. Il est où le poète? Attends, il est où le poète? Il est là, non? Eh, il est là. Oh! C'est vrai qu'il manquait le poète, putain! Vous êtes bon! Ah putain, le poète. Saleté de poète. Je te le dis, moi. Bon, bah là, du coup, on y est. Là, ça y est. Là, c'est la fin. Est-ce que vous êtes prêts? Oh! Ça va? Oh! Pourquoi j'ai fait ça, putain? Pourquoi? T'es con! T'es trop con. Ça va, il est toujours là. Il est toujours là. Le pire, c'est quand il va... Bah, quand il aura disparu, quoi. Il y a eu des bruits de pas. Oh putain, il y a eu des bruits de pas juste derrière moi. Putain, je crois... Ah, j'ai des frissons. Il s'est levé. Il y a eu 3 bruits de pas juste derrière moi. Je déconne pas. Je veux partir. je suis pas bien. Vous avez entendu? Vous avez entendu ou pas? Vous avez entendu? Vous avez entendu le poète? On a entendu le poète. Ok. Poète. Non mais là, si j'ouvre cette porte, il va me sauter dessus, on est d'accord. J'ai entendu le poète. Si j'ouvre cette porte, je suis mort. Oh, putain, faut que j'allume des bougies, là. Je suis pas bien, là, il me faut de la lumière. En vrai.
Pour la France. Et merde. Et merde. Et merde. Bon, il m'a laissé une clé. Ça veut dire que cette clé ouvre la porte dans laquelle il se trouve. Alors, on va essayer celle-là. Elle était fermée dans mes souvenirs. Oh, c'est elle. C'est elle. Ok, doucement. Tout va bien. Des petites pipiles. Hello. Hello. Oh my god. Oh, de la santé, c'est cool. Ok, donc nouveau lieu. La cuisine. Du bon pain. Qui veut un sandwich? Un bon sandwich. At first, the new owners of the property rarely showed up in the village. J'ai entendu un psst à mon oreille. C'est chaud. Encore 7 heures. Votre partie est sauvegardée, très bien. Allez, encore 7 heures et on a fini le jeu. Donc là, on a fait un tiers du jeu. Encore 3 tiers, putain. Enfin, encore 3 quarts, enfin oui, comme tu veux. Mais on est loin d'avoir fini. On est très loin d'avoir fini. Oh putain, il y a un étage ici. Je pense que ce jeu va se faire en deux parties. La première partie sur YouTube, donc ici. Et la deuxième partie se fera sur Twitch. Certainement ce week-end. On va essayer de finir le jeu ce week-end. Hello. Hop. Ah, le jeu d'échecs, je me souviens aussi de cet endroit là. Ah, et là-bas, il y avait une apparition. Putain, je me souviens de tout, c'est incroyable. Ce jeu m'a marqué. Hein. Je me souviens de chaque truc. C'est fou. C'est incroyable. C'est un truc de dingue. Il y avait une apparition au fond. Ah, mais elle est toujours là. Putain, elle est toujours là. Regardez l'ombre. Oh, putain, elle est toujours là, cette ombre. T'es toujours pas parti, toi. Ah, sale pute. Et toi, t'as regardé et t'as rien fait, hein. Saleté, va. Bon, il y a une musique assez angoissante qui vient de se lancer, là. Je suis trop crispé. Détends-toi, Toshi, détends-toi. Je m'aventure. Some residents of our village then started working for the Harmsworth family over the next few months. But nobody talked about what happened there. Très étrange. Ça fait déjà 1h05 qu'on live. Il est 2h, 6h restantes. Ok. Putain, plus le jeu avance et pire c'est. Est-ce qu'on va voir l'épouvantail? C'est ça la question. Ils ont mis le clown, est-ce qu'ils ont mis l'épouvantail? J'aimerais tellement. Il y a des rires. Il y a des rires d'enfants. Salut beauté! Oh putain, mes piles sont pleines. Lol. Oh putain, il y a un bébé de massacré là. Oh, ça ressemble fort à la poupée du bas. La poupée qui a en bas. Oh putain, cette vieille parure de lit là. Oh là là, regardez-moi ça, cette ambiance.
Là, je peux plus aider, j'ai vu personne aller aussi loin. Quoi ? Arrête ! Personne n'était plus loin que ça ? Eh ben, je vais leur montrer c'est qui le patron ! Oh ! Nina ! Oh ! Ah ! Oh, le bâtard ! Enculé ! Merci beaucoup Nina, merci, merci à toi, c'est gentil. Putain, regardez-moi cet enfoiré là. Répare toutes les horloges, t'en as pour toute la nuit. Oh putain, le ventilateur m'a fait peur. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Oh là là, j'aime pas ça, les crozes. Bah attends, s'il est apparu dans la cuisine, c'est qu'il y a une raison, non? Il y a forcément un truc à faire là, dans le frigo peut-être? Pourquoi t'es apparu là, toi? En fait, j'ai pas envie de le savoir. J'ai juste envie de partir. Ah! C'est quoi ça? Oh! Ah, il y avait un truc à prendre ici. Attendez, je viens de choper une pince. Oh putain, ça commence bien. Oh, ça commence bien. Oh! On a chopé une pince. C'est bon, ça! Alors du coup, je pense savoir à quoi elle peut servir. Attendez, je suis pas sûr, mais si c'est ça, c'est Dieu vivant, là. Il y avait des planches, là. Est-ce que c'est... Ah putain, c'est ça. Là, ça commence très bien, les crozes. Oui, il y aura une rediff, Carla. Il y aura une rediff du jeu. Alors. Bon, du coup, let's go. Ah non, je me souviens de cette pièce. Putain, la pièce des mannequins. Oh! Ah, c'était horrible ça dans le premier. Attendez, bah il va forcément. Putain, je suis enfermé en plus. Je suis enfermé. Il y a un truc à se. Oh oui, ça. Vite. Voilà, des piles. Parfait. Parfait. Oh putain. Là. Parfait. On se casse. Je peux pas. Il manque des mannequins là, non? Où sont les mannequins? Les mannequins ont disparu. Putain, les mannequins ont disparu. Oh! On va descendre. Oh putain. Je sens pas, ouais. Je sens pas, là. Ah, il y a l'ombre, là. Attends, ça fait peur, ça. Non, c'est bon. Je sais pas où je dois aller, mais j'y vais, hein. Ah, ça date, Pinview Drive, hein. Ça date, hein. Ah ! Putain ! Le drap a bougé. Super heureuse de te revoir de nouveau en live. Merci beaucoup, Romy. Merci, merci à toi. Y a un tuyau, là. Attendez, je suis perdu. Oh, une clé! Merci, merci! Merci bien! Je te serrerai bien la main, mais... Ok, on a la clé. Ah, putain. On a la clé. J'ai plus de santé mentale, par contre. Je n'ai plus de santé mentale. Oh, yes. Doucement. Doucement. Ok. Voilà, on a de la lumière, tout va bien. Tout va pour le mieux, les crozes. Allez. Oh putain! Ça a changé. Oh, on est revenu dans la maison du 1. Enfin, genre vraiment. Là, je me souviens que l'escalier ici. Ok, la maison. Et là, ici, c'est une salle de bain, si je me souviens bien. Oui! C'est ça! Ah putain, il y a du sang.
Oh putain, on est retourné dans la maison du 1 là. Putain, je pensais. Quoi? Oh putain. Quoi? Je suis pas bien avec Rose. Je sais pas vraiment où je vais en plus. Ok, on revient à la salle de bain. On va essayer de monter à l'étage. Ah putain. Oh putain, il y a deux étages! Encore des piles. Ah, oh, ça c'est bon. J'ai trop de piles. Psst. Ah, le psst. Vous vous souvenez du psst? Oh putain, regardez. Il y a une ombre qui tue un enfant avec un couteau. Attendez, ça sent le screamer, ça. C'est sûr. Je l'attendais. Salut les gars! Hop là. Je vais te finir ce jeu en 2-2, moi. C'est qui le maître de Pinview Drive si c'est pas Toshi? Hein? Qui c'est? Encore des piles, putain. Ah, il y a un volant. Ah non, c'est une roue. Putain, il y a une valve ici. Je peux pas la prendre par contre. Oh, va peut-être falloir la prendre après du coup. A tous les coups. Salut les gars. Encore des piles, putain, mais il y a un milliard de piles. Ah, on a une lettre ici, parfait. Over and over again, people heard the cries of children. But children. Yo, Bexel, non, y a rien eu pour le clown là. Y'a pas eu de clown. Si, on a entendu son poète, mais c'est tout. On l'a pas revu. Toshi, dans 10 minutes, j'ai plus de piles. Exactement. Non, là, on en a vraiment beaucoup. Regarde, je vais prendre celle-là. On est pas mal, là. Ça, le live est fluide, les crosses, dites-moi. Hein. Ça lag pas, c'est bien. C'est en HD. Est-ce que la qualité est bonne? Alors, du coup, est-ce que la roue... Ouais, on peut prendre la roue. Bon, ça, c'était sûr, du coup. On a une roue. Putain, on a fait plus de la moitié du jeu, là, je pense. Putain, j'aimerais vraiment voir l'épouvantail, je vous jure, j'aimerais vraiment le voir. Vraiment. Coucou le chat. J'aimerais vraiment voir l'épouvantail. Nickel, c'est fluide. Nickel Chrome, ok nickel. Vivement Pinview Drive Rising Storm. Bah écoute, j'espère. Mais tu sais que celui-là, j'étais pas du tout au courant. Il est arrivé, j'étais pas du tout au courant. Alors attendez, la valve, j'ai vu. Oh putain, le clown est là. Le clown est là. Alors attendez, pour la valve, il y avait un tuyau là. Est-ce que c'est ça? Ah putain, c'est ça, ok. Oh putain, merci mon dieu. C'est coincé. J'ai besoin de quelque chose que je puisse utiliser comme levier. Mais ça serait tellement bien d'aller dehors et de voir l'épouvantail, j'ai trop envie de le revoir. Vraiment, il m'a marqué, c'est comme le clown. Ça m'a marqué. Ah, t'as vu Super E? Bah ouais, pareil. Ah, on a chopé un nouveau truc. On chope plein de trucs, putain. Attendez, je vous lis un petit peu. Pas de lac, son impec, ambiance génale, tout impec. La parole de Romy. Saint Graal. Nickel. Ouais, c'est bien. Quoi? Le clown n'était plus là? Arrête! Le clown était plus en bas? J'ai pas vu, j'ai pas. Oh! Exact, il est plus là. Toshi, tu as plus peur des chaises, des clowns, des petites filles ou des mannequins dans les jeux d'horreur? Ah, je crois que c'est les chaises. Vous vous souvenez des chaises roulantes dans Outlast? C'était énorme.
Bon, du coup, on a tourné la roue. Qu'est-ce que ça a changé? Je sais pas du tout. Du Sus 3, je l'ai testé en live, c'est nul. Franchement, c'est nul. Alors, j'ai tourné une roue. Ah, j'aurais peut-être dû suivre les tuyaux, je sais pas. Ah mais non! Putain, c'est une autre pièce du... C'est bon, on s'est débloqué. Tout va bien. Tout va bien. Oh, la clé. Yes! Ah mais attends, mais on est où là? Putain, j'ai pas compris. Je suis passé d'une dimension à une autre là. Mais what? D'accord, donc en fait c'est en haut là. Oh merde, gay! Oh non! Oh, j'avais plus de santé mentale! Ah merde! Putain! Premier game over du jeu. J'avais totalement zappé. Au moins maintenant, je sais ce qu'il faut faire et j'ai la santé mentale à fond. On y va! Direction la salle de bain. Voilà, en fait, ça, ce que je viens de faire, on a mis 30 minutes à le trouver, voilà. Regardez. Hop, voilà. Là, j'ai fait un truc en 30 secondes et j'ai mis 30 minutes à le trouver. C'est incroyable. Putain, je vous jure. Bon, on a une clé, ça, c'est la bonne nouvelle, du coup. Bon, du coup, ça ouvre forcément une porte ici. On va essayer en haut. Là. Oh, c'est ça! Ok, on fait gaffe. Santé mentale. Parfait. Oh putain, d'accord. Alors, attends. Tu crois que tu me fais peur, saleté? Yes! Ah putain, t'as la chance d'avoir une cheminée, Voka. Il est 4h avant le... Ok. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, Croz, on est plutôt pas mal, là. On est bien. On est même très très bien. Oh putain, c'est nouveau, ça. Putain, il y a un truc sur le lustre. Ah, ça me fait penser à Blair Witch. Le truc des sorcières, là, dans les forêts. C'est ce genre de bail vraiment bizarre là. Ah putain. Pas trop ça moi. Quoi? Oh putain, bah attendez, je crois qu'on a trouvé. Pourquoi je suis enfermé là? Non. Oh putain. Ça y est. Starbucks, c'est les mannequins? C'est quoi? Mannequin ou clown? Un des deux. Il y a des bruits bizarres là. Oh, il y a des bruits de... Ça vient de là? Ça vient du mur? Putain, bougie. Il y a des bruits dans le mur! M'en fous, je reste dans mon coin. Ah putain, c'est flippant de... Putain, l'épouvantail! L'épouvantail! Incroyable, on l'a vu, il était là. Ça a duré un millième de seconde, mais je l'ai vu, les creuses. L'épouvantail était là. Ah, le bâtard. Le bâtard.
Alors, est-ce qu'il m'a laissé une clé du coup? Attendez. Est-ce qu'il m'a... Oh, il m'a laissé une clé! Bien joué, l'épouvantail! Nice! Yes! Coucou le chat! Oh non! Oh non, ma santé mentale! Putain! Mais fais chier! Ah oui, il nous avait laissé une clé, putain. La fameuse clé, merci. Et cette fois... On y va. Coucou le chat! What the investigators found in the house exceeded any imagination. People still don't Mimi. Talk about this up to this day. Mimi! Voyons bébé! Allez, encore 3 heures les croissants, on va y arriver à le finir. On va y arriver. Croyez-moi, tout se passe bien. Qui veut un cigare pour fêter ça? Qui? Ok, donc tout est à fond, c'est parfait. On va prendre des allumettes, on va allumer ça. On va prendre ça. Voilà, ici. Bam! Ah, je me souviens de cette pièce. C'est marrant, c'est nostalgique. Ah, de fou! Putain, la vache. Oh, de la santé mentale. Ouais! C'est nostalgique de fou. Oh, la petite truc a disparu. Il y a plus la musique là. Eh, c'est là. C'est ici. Oh, c'est ici, putain, c'est ici. Ah, elle est là. C'est là, putain. Oh la vache. Si tu perds tes clés dans cette baraque, t'as plus qu'à appeler pour annuler les rendez-vous pour ta semaine. Ah, c'est bon, putain. Ça, généralement, quand tu vois ça, c'est que c'est pas très bon signe. Genre, pas du tout. Quoi? Oh! Putain, je suis dans... What? Putain, je suis dans un hôpital psychiatrique! Oh, il y a eu des expériences! Il y a eu des expériences ici, mais de quoi? Nous ne savons pas. Merde, attends. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Ah ah! Mais y'a rien à faire là. Ah, c'est... Quoi? C'est qui ce mec? Oh, une clé! Putain, on se casse, il y a eu le psut! Il y a eu le psut! On se tire! On se tire! What? Mais c'est quoi ça? On se tire! Mec! Il y a un gars à la tronçonneuse maintenant? C'est nouveau ça! Putain! Mais c'est quoi cette merde? C'est quoi ce délire? Y'a un mec à trop... Alors ça c'est nouveau par contre, putain. Je me casse. J'ai plus de santé mentale, je vais mourir. Il y avait une clé par terre quand tu es apparu dans le manoir. Attention soldat, manoir sur un tapis. Putain. Ah putain ouais. Oh. Non mais d'accord. Putain mais diable, heureusement que t'es là. Hein. En vrai. Oh putain yes. The people here believe there's a curse yes on the old country house, like it steals the souls of those who enter it. On l'a fait. J'en peux plus. J'en peux plus. Putain, encore 2 heures. Ah là là.
J'ai même plus de santé mentale. Oh, il y a un coffre là. Il y a un coffre ici. Ah, santé mentale, très bien. Bon. On est où? Ok, on se trouve là. Très bien. Bon, on reprend du coup. Donc là, il y avait un coffre ici. Ouais, et il va falloir la clé de ce coffre. Ok, très bien. Après, ça dépend du temps que tu mettras à trouver les solutions. Ouais, bah oui, c'est ça. Ah. C'est quoi ça? Tournevis. Hey, Nana Roqueuse, bienvenue. Merci pour le sub. Je crois que c'est ton deuxième mois, non? Parce que t'es super et qu'on t'aime tous. On te soutient à 1000%. Continue les horror games. J'adore quand t'as peur. Tu me fais rire et oublier mes soucis du quotidien. Merci beaucoup, Nana Roqueuse. Merci à toi. C'est très gentil de ta part. Merci. Très joli message. Eh, hey, mais du coup, c'est bien. On a chopé un tournevis. Attendez, j'essaie de voir où je suis. Ouais, je suis scare. Alors, je suis peut-être en train de me dire que le tournevis sert à ouvrir le coffre. C'est pas une mauvaise idée, ça, si. Je pense pas que ce soit une clé, on va essayer. Yes! Oh merde! Oh merde! J'aurais pas dû. Y'a quelqu'un dans ce coffre? Wow! Diable! Yes! Merci Diable pour tes 3 mois! Putain, ça fait déjà 3 mois, Diable! Putain, mais ça craint ici là! Calme-toi, bébé, je veux sortir! Ah, y'a une clé là! Attends, y'a une clé! Je vais ouvrir! Coco! Oh putain! Yeah. Ok, encore une clé! Ah! Santé mentale, parfait. On se casse. On a chopé une clé. Bon, là, le truc, c'est qu'il va, il va falloir faire très vite, car... car j'ai pas beaucoup de santé mentale, les creuses. J'en ai déjà pas beaucoup dans la vraie vie, mais alors dans ce jeu, c'est catastrophique. Non. Oui! Yes! Ok, nickel. Une note, parfait. Aujourd'hui, personne ne se rend volontairement dans l'ancienne maison de campagne, mais encore et encore, vous entendez parler de gens qui sont allés là-bas et qui n'ont jamais été revus. J'espère que la fin du jeu est quand même mieux que Pinto Drive de base. Allez, plus qu'une heure. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Dernière heure. Accrochez-vous. Ça va swinguer. Et une télé. Est-ce que je dois allumer la télé? I don't know. Bon, très bien. Mais c'est bien ça. Il y a eu un bruit. Il y avait un bruit dans le frigo. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh! Ah non, c'est quoi ça? Ah, on a chopé un... C'est quoi? Une touche de clavier? On vient de choper un truc dans le frigo, les crocs. C'est peut-être encore comestible, du coup. Lol. C'est les poissons dans le frigo qui se réveillent, ça doit être ça. Ah, c'est, putain, c'est peut-être pour allumer la télé, non? Non, ça m'étonne. Je sais même plus où aller cette télé, putain. C'est trop grand, c'est vraiment trop grand. Ils sont fous, hein. J'ai peur pour ma santé mentale, là, faut que je me dépêche, en vrai. Faut que je me dépêche. Elle est où la télé? Je
je crois que c'est là, attendez. Ouais, je me suis pris 250 euros d'amende et 3 points en moins. Pour 8 km/h en plus. C'est n'importe quoi. Alors, la télé. Est-ce que c'était ça? Ouais, ok. Oh, c'est moi! Ok, donc il y a une caméra qui se trouve genre en face de la télé, donc là. Non, là. Elle est là. Elle est censée être ici. C'est peut-être elle qui me regarde en fait. Oh, l'épouvantail, putain, elle est creuse! Il y a l'épouvantail juste derrière moi. C'est énorme, ils l'ont mis, putain, je les aime. Ils l'ont mis. Bon, attends, du coup, là, c'est... Si je me retourne, est-ce qu'il va être là? Y'a personne. Est-ce qu'il m'a laissé une clé, du coup? Tu m'as pas laissé de clé. Oh, oh, il est juste derrière moi. J'aime pas ça! Épouvantail! On se connaît bien tous les deux! On s'est connus en 2015! Ça fait 4 ans qu'on se connaît! Trop sûr! Ah! Ok, une clé! On se casse! Fuck! On se tire! Bon, il reste une porte dans le manoir à ouvrir et c'est la porte de l'extérieur, donc... Oh putain, c'est ça. On peut aller dehors ! On peut... Ça y est, on est dehors. Oh putain, attends, bah attends, c'est énorme. On va faire le tour. On va faire le tour du manoir. Les crosses, on est dehors. Bon, par contre, j'espère que le jeu se finit pas comme ça. Enfin, j'espère qu'on va être bloqué et... Oh putain, il y a des bruits autour de moi. Oh là là là. Ah! Putain, l'enculé! Saleté d'épouvantail! Putain, il apparaît juste devant moi, ce con! La sortie est là. On peut sortir? Non, on peut vraiment sortir? J'y crois pas. J'y crois pas, on peut pas sortir. Finally, I can see the street. On peut vraiment sortir comme ça? Oh, ça se finit comme ça, putain! Ok! Bah écoutez, ce live aura eu le mérite d'être très court. Bon alors, la chose bien, c'est qu'ils ont mis l'épouvantail à la fin. Moi, tu vois, dès le début du jeu, je vous ai dit... Je veux voir l'épouvantail. Ils l'ont mis. Par contre, je sais pas ce que foutait ce mec à la tronçonneuse. Alors lui, mais il sort de je ne sais où. Mais ils ont mis l'épouvantail et ça fait plaisir. Ouais, par contre, la fin est à chier. Hein. Comme le premier Pinch Drive. Hein. Ils sont pas très doués en fin. Visceral Games. Live le plus court du monde. Ouais, il aura duré 20 minutes. Ouais, 20 minutes. Mais du coup, c'est bien, comme ça, moi, je fais le montage et je vous balance la rediff sur YouTube en HD. Non, j'ai pas le temps pour un autre jeu, je dois faire du montage. je l'avais prévenu que c'était un live très court, mais on se retrouve très vite, les crosses, pour... on va refaire un peu de World War Z, on va... J'ai rechopé des jeux d'horreur, on va refaire de l'horreur. Et voilà, ok. Live à donf. Ouais, au niveau des streamers, elles sont fortes, mais pas dans Ending. Les fins Netflix, elles sont mieux. Sûrement pour une suite, le monsieur à la tronçonneuse. Ah, peut-être. Peut-être dans Pinview Drive, Rising Storm, du coup. Le mec à la tronçonneuse est peut-être l'ancien proprio. Je sais pas. Bon, bah voilà, les crosses. 15h30. Moi, je vous laisse là. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Profitez du soleil. Profitez du beau temps. Voilà. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour un prochain live. À très vite, les creuses.
tous.